Flash News Info Spéciale, on a dépassé les 3000 abonnés, donc pour vous remercier dignement, je vous fais le meilleur des cadeaux en vous offrant un guide sur un char de rang 6 pour vous troller PTDR. L'Excalibur est un chasseur de chars de récompense anglais du rang 6, obtenable en remplissant des missions plutôt simples sur le deuxième front de campagne. C'est un char très sous-coté par beaucoup de joueurs, pourtant tu vas voir qu'il n'est pas si nul et qu'il a plus d'un tour dans son sac. Premièrement, à l'image de Métamorphe dans Pokémon, ce char peut ressembler à n'importe quoi comme par exemple un fourmilier, à l'aspirateur de fantômes dans Ghostbusters, au traîneau du Père Noël, au Tesla Cybertruck, à l'espace F1, à un scout qui part dans les bois, et surtout à une ambulance. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Ambulance? Ambulance, quoi. Là, le U! Rajoute-moi le U! Le U de ambulance, putain! Prépare ton cerveau, et après ça tu comprendras comment c'est courir un maximum de personnes à bord de ton Excalibur du Seigneur. Commençons donc par parler de ton canon. Tu possèdes un 76 mm, qui inflige 150 dégâts, ce qui n'est pas énorme. Par contre ton chargeur carbure au Red Bull et au Painkiller, du coup tu recharges 4 secondes 31, ce qui te donne un DPM de 2100, très bon pour un char de ce rang. Ton APP naître à 165 de base et se déplace à 910 mètres, ce qui est standard pour ce tiers, mais si tu galères, active le gyro et passe à la gold, une APCR qui pénètre à 192 mm et va plus vite avec ses 1100 mètres par seconde. Ta dernière munition est un explosif assez puissant, car il pénètre à 70 mm et comme au rang 6 les blindages sont faibles, tu peux très vite l'utiliser sur pas mal de chars. En précision, tu as 0,29 de base atteint en 1 seconde 73, ce qui est juste excellent au rang 6. Ta dispersion en mouvement fait moins rêver avec 0,22 pour la caisse, en revanche la tourelle n'a que 0,10, ce qui est très bien quand tu prendras en chasse une cible. En somme, ton canon est excellent et quand tu joueras en peloton de 3, les ennemis qui arriveront au loin auront une sacrée surprise, quand ils prendront 3 Force Team toutes les 3 secondes et demie. Raoul ! En blindage, tu es littéralement à poil avec tes 50 mm de carton, et malgré tes angles foireux, tu ne feras rien ricocher, et tu prendras à Bagdad dès que tu seras repéré. Cependant, comme t'es trop fragile, tu possèdes la capacité spéciale innocence grâce à ta bonne bouille, qui te fera gagner du temps avant de te faire éclater. Je suis innocent. Je suis innocent, je suis innocent. Vous allez où comme ça? Je transporte un blessé grave, qui doit subir une transplantation d'urgence. Il est entre la vie et la mort. Et ça vous fait sourire? Non. Si. Oh non. Si. Vous souriez là. Oh, c'est parce que j'essaie de rester cool. Mais je suis tendu. Putain, je savais qu'il n'y avait pas de U dans l'ambulance. Descendez de ce véhicule! Force! En mobilité, tu as l'avantage d'avoir une tourelle qui tourne à 110 degrés de chaque côté et qui te rend beaucoup plus flexible. De plus, ton ambulance trace à 50 km/h grâce à ton moteur en position centrale arrière et ses 500 chevaux qui te donnent un ratio de 18 chevaux par tonne. Pour finir, tu tournes à 36 degrés secondes, ce qui est pas oufissime. En somme, tu te démerdes plutôt bien pour un TD et tes alliés seront assez surpris quand ils te verront arriver à balle pour carotte le dernier kill. Pour finir, t'as 360 mètres de portée de vue, ce qui est nul, et ton camo de 17% à l'arrêt de base est sympathique pour un TD, mais on va augmenter tout ça. Afin d'améliorer ton Excalibur du Seigneur au maximum, tu installes fouloir, bino camo pour devenir un vrai campeur. En amélioration de terrain, le niveau 6 diminue de 3% ta dispersion lors de la rotation de la caisse. Pour les modifications doubles,
Je te conseille de mettre la suspension renforcée pour la première, qui augmente de 30% la durabilité de ta suspension, de 15% le maintien de la vitesse, pour seulement 5% de rotation de caisse en moins. Pour la deuxième, tu prends ajustement parallaxe pour être encore plus précis, et pour la dernière, tu prends ajustement de l'éjecteur, qui augmente ta dissimulation de 6% après avoir tiré, pour un malus de 2% de portée de vue, soit 8 mètres en moins. En compétence, tu montes 6ème sens, précision, conduite souple et râtelier sécurisé. Ensuite tu montes frère d'armes, réparation et camo. En emport d'obus, tu prends 30 AP, 20 APCR et 10 explo. En somme, l'Excalibur est un char très sous-coté et sert souvent à gagner 600 000 crédits pour la plupart des joueurs, mais il est en réalité très sympa à jouer et tu pourras faire de très grosses games avec. Pour le baromètre de l'équilibre, je mets ce char dans la case équilibrée qui tend vers très bon, car il est selon moi un bon char, et il fait des massacres quand il est bien joué grâce à son canon, son camouflage, sa bonne mobilité mais surtout sa gueule unique. Who you gonna call?